Bonjour à tous, merci d'être tous présents avec nous pour fêter l'inauguration de la première maison labellisée énergie carbone de la région Centre. On le tient, on y va. Voilà. Nous sommes très heureux d'être le premier constructeur à avoir réussi à décrocher ce fameux label E+, c'est moi. C'est une vraie réussite pour nos équipes. Franchement, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce qu'on est dans l'expérimentation, on est dans le test permanent. Nous avons été là sollicités tout le temps jusqu'à ces derniers jours par Promotelec, l'organisme certificateur. Nous avons été beaucoup aidés par nos fournisseurs et par nos partenaires comme GRDF qui nous a accompagnés tout au long de ce projet. C'est important de s'inscrire dans la transition énergétique et d'accompagner des belles réalisations comme celle-là qui sont énergie 3 et carbone 1, et donc voilà, c'est des bâtiments particulièrement performants et ça mérite d'être salué. Le but de ces expérimentations, c'est d'élaborer ensemble la nouvelle réglementation thermique en faisant des tests en grandeur réelle, de voir le coût de réalisation et de voir la réduction d'impact environnemental et l'économie d'énergie. Je suis content et je suis fier parce qu'on est le premier constructeur à avoir eu le label E+, c'est moins de la région Centre, Val-de-Loire. Ce qui va pouvoir maintenant nous démontrer notre savoir-faire à nos clients, et à partir de lundi matin, le but c'est vraiment de vendre des maisons comme celle-là à nos futurs clients. Alors le Labome, c'est quoi? C'est une maison laboratoire où on a développé tout notre savoir-faire et on a mis à l'intérieur tous les produits innovants, que ce soit au niveau du bâti ou au niveau du génie climatique. Dans le but de consommer toujours moins, que ce soit en gaz à effet de serre ou en énergie. Alors, en termes de matériaux, on a décidé de prendre des matériaux volontairement carboné pour prouver qu'on était capable de faire des maisons bas carbone avec des produits qui n'étaient pas forcément. On est sur des matériaux somme toute relativement classiques, par contre effectivement avec des épaisseurs assez importantes pour pouvoir remplir l'augmentation de sa peau. Donc c'est effectivement gratifiant d'avoir piloté la première maison plus c'est moins de la région Centre-Val de Loire, et c'est vraiment intéressant techniquement de voir les produits qu'on mettra en œuvre dans les années à venir. Cette maison s'inscrit vraiment dans ce nouveau quartier, puisque nous avons l'ambition d'avoir une labellisation éco-quartier. Elle est avant-gardiste, elle préfigure, j'espère, les normes de demain, donc elle a tout à fait sa place dans ce nouveau quartier. Donc, à terme, il y aura 800 logements, 800 logements qui vont se construire sur une quinzaine d'années. Donc imaginez maintenant une maison avant-gardiste, ça sera tout simplement la norme de demain, en tout cas c'est ce qu'on souhaite.